Et yop les petits potes, c'est vrai que aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer le 2.6 tout simplement. Là je joue un défi classique les gars. Les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo les gars et surtout à vous abonner, ça me soutient énormément. Et merci à tous ceux qui le feront. Et les gars, donc voilà, je vais faire un petit tuto comment jouer le 2.6. Je ne peux malheureusement pas jouer en ladder parce que je n'ai pas niveau max. Mais dès que j'aurai un niveau max, avec plaisir je jouerai en ladder. Donc les gars, si vous avez voulu que je présente des decks, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire les gars, je les ferai. Et voilà, donc là on va partir sur cette première game les gars, et c'est parti. Donc les gars, je suis en 0-1 en défi classique. Donc on tombe sur WoW de Trump 2020. Ok, donc il nous joue un dart de niveau maximum les gars, donc il est niveau maximum, très très bien. Nous va jouer un petit cochon avec un pré-shot bûche. Ok, bah très... Wesh, le pré-shoot que je viens de faire là. Petite fireball les gars. Ok, le cochon qui met vraiment beaucoup de coups, ça c'est excellent les gars. Ok, donc là je vais mettre un canon ici et là je vais mettre les petits squelettes. Et j'ai raté les petits squelettes, c'est parfait. Merde, je viens de faire de la dé là je crois. Non, c'est bon. Ouais, j'ai un peu fait de la dé mais c'est pas trop grave. Et il a juste égalisé un petit peu les tours. Enfin, on est égal quoi, il a rattrapé la gamme. C'est pas trop grave en vrai. Donc, hop, tac. Ok, on va jouer une petite bûche. J'ai mis un peu trop tard ma bûche. Ok, donc là, on va faire de pré-shoot parce que je sais très bien qu'il y a pas mal de Thompson. Voilà, ça c'était sûr. Enfin, là, j'aurais pré-shoot bûche. Je suis con, j'aurais. C'était pré-shoot boule d'œuf et ça aurait été vraiment malin. Ok, donc là, on va juste mettre. Merde, allez. Ok, normalement là, c'est good. Ouais, il force par contre le gars là. Merde, c'était pas trop ça que je voulais faire, c'est pas grave. Le MK en tous les cas qui va se faire vraiment détruire. En vrai, je vais assumer les dégâts. Ah bah c'est bon, il va pas sauter. Très très bien. Ok, donc là on est à peu près égalité. Les gars, d'ailleurs, c'est. Désolé si je suis pas très concentré parce que je suis. Là je suis en train de. Je fais autre chose en même temps, mais normalement, prochaine game, je serai bien focus. Donc, c'est pas mon niveau un peu éclaté sur cette game, mais. On fait du mieux dans son, tous les cas, le gars a pas l'air. Merde, c'est quoi cette bûche là? Oh, ça me dit, c'est passé. Ok, donc là on va juste mettre des petits squelettes. Ok, on va mettre un petit golem de glace. Et là on va partir cochon avec pré-shoot de bûche parce que je sais très bien qu'il n'a. Ah, bah il est Sonka, très bien. Là on va juste mettre, je pense, une mousquetaire ici. En tous les cas, on a recycle déjà un canon, donc c'est très bien, c'est parfait pour nous. On va mettre ça là. Là, on a une fribuche. Hop, voilà, parfait. Petit golem de glace ici. Ah bah merde, ça a tué le dart. Bon, je pensais pas, mais c'est pas grave. Bon, là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'essayer de spam avec une mousquetaire, les gars. En vrai, il nommait bien le monsieur là. Ah, il vient de jouer sur MK. Donc là, on a juste à faire une défense clean. Voilà, on met juste ça. Je pense qu'il y a même pas besoin de mettre la mousquetaire. Oh, s'il y avait besoin de mettre la mousquetaire, MK Prince, les gars, ça peut faire très, 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 très mal. En vrai, nos défenses sont plutôt clean, je suis assez content. Donc, ok. Bon, voilà, les gars, on a la tour en tout cas, c'est aise. Ok. Excusez-moi, les gars, je vais mettre 2 secondes. Ouais, excusez-moi les petits potes. Bon, les gars, on a gagné en tous les cas. C'était assez facile. On va regarder vite fait le profil. Il était niveau maximum. Ouais, 5K3, 5K7. Ah, 5K8, le record quand même. Hein. Bon, les gars, là c'est bon, je suis focus. Normalement, là il n'y a aucune erreur. Là, aucune erreur est possible. Bon, les gars, on part cochon esprit de glace, les gars. Quand on a le cochon en main de départ, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Vous avez un 2.6, les gars, vous cyclez très très vite. Donc c'est cool. Donc 3 coups de cochon, 4 coups de cochon, ça c'est nickel. Donc là je pense je vais juste. Ah, ça spam déjà. Eh mec, attends, frère, calme-toi. Wesh, ah ouais, le gars il est énervé là.
Ok, là je pense qu'en vrai on a une bonne bûche parce qu'on... Enfin, j'ai un petit peu raté mais c'est pas trop grave parce qu'en tous les cas on va prendre de l'élixir et on va pouvoir spammer un maximum les gars. Donc on tombe sur un golem d'élixir, ce qui va être vraiment très compliqué de gagner parce que le golem d'élixir les gars, vous connaissez, hein, on m'a demandé de présenter des golems d'élixir. Je vais les présenter et je pense que ça va être celui-là. Je sais pas s'il y a la cabane, mais s'il y a la cabane ça va être celui-là en tout cas. Donc là on va juste mettre ça ici. Ah dommage, dommage que ça meurt pas en vrai. Je juste pense, mais je vais juste mettre un esprit. J'espère que ça le tue parce que sinon ouais, c'est nickel. Là je vais mettre ça. On va mettre un petit golem de glace pour aller gérer cette guérisseuse. On va pouvoir partir en hochant l'autre côté. Ok, donc les gars, golem d'élixir normalement je suis pas censé gagner. Il y a très clairement le match-up. C'est limite impossible pour moi de gagner. Donc là je vais essayer de faire ce que je peux. Ça va être très compliqué, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible les gars. Donc là on va juste mettre une petite bûche les gars pour gérer ça, on va mettre des petites cuts pour essayer de tank les bats. Bon voilà, là après on va essayer les dégâts en tous les cas. C'est pas trop grave comme ça, il gagne juste les tours. Notre mousquetaire qui fait énormément de dommages les gars à cette tour du roi. Et là il va partir en spam, donc ce que je vais faire c'est que là je vais mettre mon canon ici. Je vais mettre notre mousquetaire ici, toujours écarté au cas où il a n'importe quoi. Genre boule de feu ou une foudre, un bail dans le genre. Donc là, ce qui est cool, c'est que ça focus ça. Donc là, je vais pouvoir recycler un canon très vite. Comme dirait Lightpolux, incessamment sous peu. Donc là, il nous donne une free boule d'œuf parce que du coup, elle est plutôt assez value. Et là, les gars, on va pouvoir partir en cochon, mousquetaire, plus golem de glace. Donc les gars, là, on fait des défenses qui sont hyper clean. Normalement, c'est impossible qu'on perde là. Hop, il a rush kit, super combat, mec. Il jouait nos skills, les gars. On a réussi à battre un golem d'équipe avec un 2.6, les gars. C'est juste incroyable, hein, vraiment. Là, il peut encore. Est-ce qu'il peut encore gagner? Ouais, il peut pas gagner. Oh, nickel. Bon, bah, les gars, super combat. Allez, hop. Ça, c'est dans la poche. Bah, nickel. Hein. Ok. Nickel. Vraiment, là, c'est good. les gars, je pense pas qu'il était oufissime. Hein. 5-4-1. Comment il met un 5? Oh, quasiment 6-4 records avec un golem d'élixir. Enfin, je pense pas qu'il joue ça parce qu'il a pas les cartes max, mais. Ok, ok. Bon, les gars, à partir de cette troisième game. Enfin, cette troisième victoire, les gars, plutôt. Parce qu'il faut préciser. Hein, voilà. Ok, donc on tombe sur Baba Faba de ARP. Ok, qui nous joue un petit chasseur tranquillement. Ce qui est potentiellement un deck GR ou un deck ballon. Moi je considère que c'est du GR parce que c'est rare que ça soit du ballon. Ouais, je pense que c'est du GR. Ok, donc là on va mettre une petite bûche. Non, je vais la dé là, je pense. Oh non, oh, j'ai réussi à le tanker, nice. Je vais pas forcer parce que je sais qu'il a un GR. Et voilà, je savais qu'il allait faire ça. Ça allait tout clean. Là je vais garder mon Exir Max parce qu'il a un GER, donc du coup le GER qui va faire très très mal si on ne défend pas. Et là il vient de jouer le pêcheur les gars, ce qui est une très très bonne nouvelle pour nous. Tout simplement parce que il a plus rien là. Là je vais juste mettre ça pour aller détruire le pêcheur. Et je sais pas si je dégonde les pêcheurs. Le pêcheur aussi, nickel. On va mettre le petit esprit de glace. Ici on va mettre ça là, hop, pour pas prendre de dégâts. Défense assez clean les gars, on prend juste un coup de GR, ce qui n'est en soi pas dramatique puisqu'on a encore l'avantage de point de vie de 60 HP, ce qui est que dalle mais c'est pas grave. Ok, donc là il a un GR, il a je pense la version de Ruskov avec les bats. Si c'est les bats ça m'arrange pas. Si c'est les dragons squelettes c'est mieux, et ce serait cool que ce soit les dragons squelettes. Ok, donc là il a fait gaffe que j'ai pas la value sur son pêcheur. Donc là j'ai juste mettre une bluffe, je vais pas mettre de bûche parce que sinon ça serait forcé. Et je vais avoir besoin de défendre son pêcheur. Ouais, en plus il force, donc ça va pas m'arranger ça, tout ça, cette histoire. Wesh, l'esprit frère, il a fait un bond du futur. Ah, je prends très très cher malheureusement. Ok, bon. Ok, nouvelle tour à 1002, mais c'est pas trop grave puisqu'on a juste 200 de retard. Ok, donc il avait qu'un Ewiz. En vrai, j'ai pas boule de feu. Je vais mettre une petite mousquetaire avec ça. Ok, et là on va juste mettre un golem de glace et dégager. Ok, ouais, je vais devoir bûcher malheureusement. C'est pas en fait là. Oh, j'ai raté la bûche, putain. Oh, yes, il vient de forcer. Oh, les gars, là en vrai, il nous donne une value de nous racheter. Ça, c'est super.
Ouais, ce qui me casse les couilles, c'est qu'il a un pêcheur. Et le pêcheur, bah, il peut m'éclater fa facilement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il vient de rater son pêcheur, il me semble. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, il vient de rater son pêcheur. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, je vais mettre une bûche, je pense, pas grave. On a fait énormément de dégâts, les gars, on a littéralement l'avantage. Là, je sais pertinemment qu'il va partir en jeu royal. Donc, on va mettre une mousquetaire ici. On va mettre ça là. Et je vais mettre. Ça, putain, il a bien joué, il a bien joué, il a bien joué. Vite, faut recycle un canon. Le canon qui recycle. Ah non, non, il est pas recycle. Non, 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 frère, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Ok, normalement là, il pourra pas avoir le pêcheur. Il va juste avoir ça. Eh, il met pas de coup. Wesh, il a forcé là par contre. Hein. Oh là là, mec, il a tellement forcé. Et je vais malheureusement. Je pense que je vais malheureusement perdre. Ah, s'il veut recycle les boules d'œufs, en vrai, ça peut être pas mal. Puisque là, je pense. Oh, non, 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 pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Le pêcheur, les gars, le cochon, les gars. Et les gars, c'est une victoire sur Baba de Faba qui n'a pas le match-up normalement. Enfin, je crois, ou c'est un match-up très serré en tout cas. Et les gars, on va partir sur cette dernière game d'un tuto 2.6, les gars. Contre Ala 505 de Canarios Arcano. Ok, donc il nous joue une cabane de barbares, ce qui m'arrange clairement pas, que ce soit cimetière ou golem d'élixir ou cochon royaux. Ça m'arrange pas, ça m'arrange clairement pas. Cabane de barbares, les gars, vous connaissez, c'est annonce du cancer et voire peut-être du no-skill si c'est de l'igolem. Donc c'est du cimetière, les gars. Ça m'arrange pas, hein. Je t'avoue que là, ça m'arrange clairement pas. Ah, en fait, c'est absolument pas du cimetière, très bien, c'est du no-skill. C'est super. Ah, frère, il va déjà spam là. Tu vas me dire que là il a déjà l'élixir pour spam là. Ah, très bonne nouvelle, ça c'est cool. En vrai, là je pense que j'ai une très bonne value de bûche. Allez hop, on récupère un petit peu d'élex. Ça c'est cool. Et les gars, là on va repartir en cochon. Puisque je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'élixir. Parfait, le cochon là qui va connecter. Ah, une tornade, évidemment. Ça va être légèrement plus compliqué. Et évidemment, c'est ce putain de barbare qui met son cochon mousquetaire. Ça me fait vraiment chier. Je vous avoue, ça me fait vraiment chier. Ça m'arrange clairement pas qu'il soit en train de bien défendre. Donc là, il va remettre une cabane de barbare. Nous, on va remettre une mousquetaire, les gars. En vrai, je pense. En vrai, j'ai pas à bout de def parce que il y a la cabane de barbare, ça peut être relou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va mettre un petit golem de glace avec un esprit de glace, les gars. Ok, donc là par contre. Ah, mais j'hésite à boule d'œuf, mais je pense que je vais devoir. En vrai, je vais faire comme ça. Et là, je suis quasiment sûr qu'il va mettre le golem d'élixir. Voilà, ça c'était clairement prévisible. On peut remettre une mousquetaire ici. Ça, on va mettre là. Non, 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 non. La mousquetaire, reste en vie, s'il te plaît. La mousquetaire. Ouais, je pense que j'ai lose là. En vrai, il spam bien. Il spam bien, le monsieur. Il spam vraiment bien. Là, on peut essayer de faire un petit truc qui est pas trop dégueulasse. Là, on va essayer de spam un petit peu. C'est très compliqué. Ouais. Puis c'est une cabane de barbares. C'est même quasiment. Non, là, c'est impossible. J'ai le match-up. C'est ce deck que je vais présenter exactement, les gars. Ce deck Golem d'Elixir qui est très no skill. Ok. Bah, il a tenté un pré-shoot. Il a pas réussi. Bah, tant mieux. Ça m'arrange. Ok, donc là, c'est impossible, les gars. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est impossible qu'il ait recycle sa cabane? Sauf s'il la met comme ça, mais ouais, mais il a cette putain de tornade. Ah ouais, le problème, c'est qu'il a tornade plus cabane. Et ça m'arrange pas du tout. Donc là, on va remettre un canon. Alors là, je dois faire la défense d'une vie, là, les gars. J'annonce, je dois faire la défense d'une vie. Ok, donc là, on a recycle, les gars, en tous les cas. On a recycle tout ça, très bien. Golem d'élixir qui vient ici. Là, j'ai mis une boule de feu. On va mettre une bûche suivie des squelettes pour aller gérer ça. Là, on va mettre un canon comme ça en mode YOLO. Et les gars, là, on part sur un cochon. On a la boule de feu que je ne vais pas mettre parce que j'ai pas, j'ai envie de cramer le moins d'élixir possible. Là. Le but, c'est de pas cramer d'élex là. En vrai, les gars, je gère le match-up là. On est d'accord, les gars, là, je me gave. Comment je suis en train de gagner? C'est pas possible normalement. Normalement, c'est impossible que je gagne, vous avez compris? Ok, donc là on met un grec. Il a rage quitté. Non, ok. Oh, il a raté sa cabane! Il a raté sa cabane, les gars! Il a raté sa cabane! Oh! Allez!
Ok, c'est moi que j'ai win. Et là, il y a 6 HP juste à Sekul. Et les gars, c'est une victoire contre 2 golems d'élixir. On a gagné cette vidéo, les gars. 2 golems d'élixir. C'est juste insane. Je viens de gagner contre un golem d'élixir. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai extrêmement bien joué. Sinon, c'était une super vidéo, les gars. Ok, on va regarder un petit peu le profil. C'est celui que je vais vous présenter, les gars, qui est extrêmement fort. Voilà, il avait un record à 6K1. C'était pas ouf, lui. Ah, lui, il est déjà un peu plus fort. Il a, là, il a 6K trophées. Il nous joue un deck GR. Ok, sinon, les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu, les gars. Si vous voulez d'autres tutos, les gars, pétez les likes, s'il vous plaît. Et abonnez-vous surtout. Et faites de la pub pour moi, les gars, pour que je puisse avoir plus d'ampleur et m'acheter des meilleurs gemmes, les gars, sur Clash Royale. Du coup, on y va. Et ciao.